Hello, hello, hello. C'est Jean Girard, c'est Jean Girard Boussico. Et bienvenue dans course à son cours. Et normalement, c'est une série de cours que je vais faire, de plusieurs. Mais chaque série, ça va traiter en technologie différente. Et donc, cours ça va être gratuit. Donc, c'est gratis et que m'a publié sur Internet. Tout le monde qui a suivi, tout le monde, même le ou pas avancé dans l'informatique, ou qui a suivi le cours, parce que c'est pour vos débutants, ok? Et seulement, et pour suivre le cours, nous avons besoin, normalement, on dit, nous avons besoin qu'on navigue sur Internet, nous avons besoin qu'on ait qui ça, nous avons besoin au moins qu'on visite Facebook, ok? Donc, ok. Et mais comment on m'a fait pour ça? Donc pour HTML pour débutants ça, mais comment on l'a fait? Et m'a fait, c'est comme si on a parlé avec un monde. Donc on dit ou même qui a regardé vidéo. Donc fait comme si me débo koto parce que m'a parlé avec vous directement. Donc pour me faciliter les communications, OK? C'est vrai que en réalité m'a bon koto mais fait comme si l'a regardé vidéo, me débo koto pour m'a montrer et pour montrer ça m'a fait sur ordinateur et comme si vous même vous êtes campé bon côté m'a regardé tout ça m'a fait sur ordinateur, OK? Donc et j'aime dire non même c'est Jean-Giro Boussico et sur Facebook Jean-Giro Boussico normalement m'a pas recevoir les amis encore mais 5 mes amis déjà m'a pas recevoir les amis mais et on mon nous ca suivre moi donc ou capable suivre moi sur Facebook si nous pas des amis déjà ou ca suivre moi connait sur Facebook et pour joindre et chaque temps m'a publié vidéo ça parce que m'a publié sur Facebook tout m'a publié sur Facebook tout et m'a publié sur Facebook m'a publié sur apprendre gratis.com qui c'est une plateforme et pour aider jeunes à apprendre technologie, jeunes haïtiens à apprendre technologie gratis et plateforme ça c'est Certil Rémi qui fait qui mettait le campé avec et on sait de l'autre jeune et notre objectif pour encourager jeunes à apprendre technologie en créole donc moi-même et c'est donc moi avec compagnie Pam qui c'est JJ Binet Design qui veut porter aide dans ça comme si pour aider jeunes yo main technologie pour qu'avin à les lancer des technologies qui capable difficile pour yo auparavant. Donc et j'aime dire nous c'est Jean Girard Boussico sur Facebook moi des amis sur lui m'a fait mes ça là et m'gain pas YouTube man c'est sur lui m'va poster vidéo yo et m'va poster vidéo sur lui mais m'a posté sur Facebook tout parce que non c'est pour faciliter mon garder vidéo m'a posté sur Facebook sur page JJ Binet Design que m'gain donc c'est page et JJ Binet Design donc page compagnie service web et mobile moi OK et m'a tout dit non que nous capable visiter. Donc ça c'est pas déjà JJ Binet Design que nous capable like. Nous capable monter sous lui de taper et JJ Binet Design sur Facebook, n'a besoin lui. Ou bien juste taper facebook.com, OK, juste monter sur Facebook, on dit me fermer ça là, OK, et puis m'ouvre une nouvelle page. Taper facebook.com JJ Binet Design. OK, c'est JJB NEATDE SIGN ou vous allez aller ou monter sur page là. Page Facebook là pour ban mon like. Pour le qu'on a nous des nouveaux vidéos qu'à publier pour nous capable de nous immédiatement et si nous, et pour faciliter joindre vidéo ça moi l'on monte sur page là OK donc en bas bouton like là donc assurez-nous que nous fait like là et puis après ça que n'a suivre OK que n'a suivre là donc le bouton following là n'a pas juste n'a pas assurez-nous que nous
comme Facebook pas en créole. M'a supporté créole en pile Facebook pas en créole. Donc nous capable juste et si pour la m'a connait comme dans quelle langue pour là, si c'est en français ou bien si c'est anglais, ou monter là ou aller dans option ça là, ou sur page à côté cap following et puis si en anglais, bon même pas sur même bagaille aussi en français, pas avec following mais yo dans même place yo donc là ou taper ça en premier là donc pour capable joindre notification page là en premier pour chaque barre nous publier pour capable monter dans notification là pour ca joindre. OK, donc m'a fait un page ça pour là. Donc et après ça et visiter site non qui c'est jjbnetdesign.com. OK, donc jjbnetdesign.com côté que et m'offre plusieurs services web mobile. OK, donc et application web, site web, application mobile, hébergement et enregistrement dans domaine et tout bon monde besoin faire radio sur internet ou besoin faire et télévision sur internet ou besoin créer tes mots de passe ou besoin marketing ou bien ou série le bagage. Donc n'a joindre et service ça. Normalement site ça m'va le refaire parce que et bon, il pas vraiment à jour, me fait quelque temps. Et m'va le refaire. Son site que me fait sur WordPress, que me programme thème dans sur WordPress avec HTML, CSS et JavaScript et puis PHP et me programme sur WordPress. Donc m'va le refaire et pour intégrer plus de détails, mais si nous besoin et plus de détails, n'a pas joindre sur moi là, juste monter sur jjbnetdesign.com et n'a besoin ça. Donc m'a fermé ça et OK, donc nous va rentrer dans quoi là. OK, m va me faire pas ça. OK, donc et grand page de commencer travail sur lui. OK, HTML pour débutant. OK, HTML pour débutant. Donc ça c'est Sublime Text, ça c'est Sublime Text, un éditeur texte que moi même utiliser que me gain que normalement on m'a utilisé ça pour ma course là. OK, ça pour moi, mais nous même bal et mais Sublime Text disponible pour Windows tout. OK, il est disponible pour Windows, sinon aller sous download là n'a pas possibilité pour télécharger pour Windows, pour Linux, bah ça. Donc m'a mettre tout lien au non, m'a mettre tout lien au pour nous après ça pour capable et gain accès pour aller sur. Donc Sublime Text est disponible pour Windows, disponible sur Linux. OK, comment me sur Macintosh on a disponible pour m'installer lui-même. Donc on dit qu'ils ont besoin, qu'ils ont besoin pour suivre et ont besoin d'un navigateur internet tant que Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, on dit Microsoft Edge ou bien Apple Safari. OK, Apple Safari et bien Opera. Il a besoin d'un éditeur texte. Donc parmi éditeur texte que on besoin, nous j'aime dire nous gain Sublime Text, nous gain Notepad et Notepad plus plus, nous gain Atom, nous gain Visual Studio Code qui sont vraiment bons éditeurs si vous travaillez avec JavaScript en pile. Et donc OK, et puis et nous gagnons l'autre bail qui habite nous, c'est gain bon internet. Donc c'est gain bon internet et puis bon programme qui est DevDocs. Donc normalement DevDocs nous gagnons installé sur machine là, mais DevDocs disponible sur internet tout, c'est devdocs.io. OK, et nous gain DevDocs desktop app qui est disponible tout, qui c'est une application desktop qui c'est site ça qui c'est DevDocs alors qui sont site qui gain en pile documentation sur en pile technologie. OK, donc on dit normalement si nous avons internet nous ca chercher ba directement sur internet ça m'a besoin, mais pour faciliter nous jouer documentation, une série de informations, donc nous ca juste aller sur devdocs, donc devdo
cs.io, ok, donc pour aller sous lui, ou bien nous juste installer, ou bien nous juste installer application de desktop là sur n'a pas joindre sur GitHub, donc c'est GitHub n'aller sous, ok, donc là là n'a pas capable de télécharger et télécharger application ça, ok, non nous capable de télécharger et dernière version pour Windows, Macintosh et Linux là, ok, donc même si on est pour Mac à télécharger là pour Windows Linux bah ça au télécharger les bien installer on a leur nouvelle leur n'a pas et leur nous connaît nous fait nouvelle programme ok leur on a nous fait nouvelle n'a pas nous on interface pour ça bien côté que nous car configurer pour nous dire ok normalement nous car chercher documentation d'elle pour une technologie et nous capable et configurer là pour nous dire on dit bah nous besoin préférence OK donc on a choisi toute technologie que nous voulons utiliser donc on même utiliser un peu de technologie donc on coche donc pour capable télécharger pour capable gagner disponible sur ordinateur et en plus et bonne possibilité pour tout pour pas besoin internet pour gagner accès avec eux donc offline data télécharger toute documentation ça pour bonne technologie que m'a utiliser donc que me gagner et kounya donc nous pas utiliser ça parce que conseil de bagaille m'pa le chercher donc m'pa et conseil de bagaille m'pa chercher donc et m'pa même besoin sur internet m'pa ni taper under dev docs surtout et pour html pour et css OK pour html pour css on bonne lot et on bonne lot bagaille que nous gain pour nous chercher donc OK m'pa bon et dégager non télécharger dev docs c'est vraiment important parce que mal utiliser OK donc OK bon sur ça OK j'aime dire moi qui n'a besoin navigateur internet c'est ou bien Google Chrome qui c'est navigateur internet Google nous gain Firefox qui développé et comparé Mozilla nous gain et Edge qui tout vient avec Windows 10 de vous gain Windows 10 sous tout gain et mais pas connais c'est m'pense le disponible pour installer sous Windows 7 tout m'pas sûr parce que nous seulement utiliser sous Windows 10 donc m'pas vraiment ca dit mais assurez-nous que nous gain un bon navigateur récent parmi ça Firefox Google Chrome, Microsoft Edge et puis nous gain Apple Safari lui-même les Safari m'pa connais s'il disponible sur Windows toujours bon garder pour moi Apple Safari Windows même m'pa connais Apple et bon OK Apple te campé développement et Safari pour Windows mais Opera lui-même Opera disponible pour Windows pour Mac pour Linux donc et nous ca télécharger Opera en plus là nous ca connecter Opera pour mobile sur téléphone et n'a utiliser Opera sur mobile et mais il disponible ni pour Windows ni pour Macintosh ni pour Linux donc télécharger Opera m'a mettre tout lien là pour nous tout pour nous capable et l'homme fin en bas dans description m'a mettre dans la description vidéo YouTube yo et dans description et vidéo sur Facebook YouTube. OK? Donc dégagez-nous et pour nous télécharger ça. Donc mon sur Windows, on a besoin un programme pour qu'a les fichiers PDF. Et normalement parce que gonsé de livres PDF que m'a mettre lien pour capable télécharger. Donc mon Windows yo, c'est que sur Windows m'a pas un lecteur PDF par défaut. n'a besoin d'un lecteur PDF donc et dès qu'on l'aime utiliser Windows m'utiliser Foxit Reader qui sont un lecteur et fichier PDF qui gratuit pour utiliser juste sur free Foxit Reader download m'a mettre lien en tout donc pour capable télécharger OK donc nous besoin un éditeur texte Sublime même disponible pour Windows, Mac, Linux. Nous gagnons Notepad++ et qui disponible seulement sur Windows quoi.
Li disponible seulement sur Windows, mon quoi, li vraiment bon. Les mon sur Windows yo, sinon bah on est juste utiliser et nous ca utiliser Sublime pour disponible pour toute plateforme yo. Nous gagne Atom qui c'est un éditeur qui développé par GitHub toujours et li vraiment free charge extension, au contraire li même li son version et totalement gratis. Sublime lui-même pas gratis parce que faut acheter une licence pour capable utiliser net. Ouais, faut acheter une licence pour capable utiliser. Non, on peut utiliser Sublime gratis. Mais kounya là et chacun la bon message. Donc et la bon message comme c'est pour le job pour acheter. Mais il pas fermer programme là, pas job pas utiliser encore, mais chacun la bon message. Donc si ça son problème pour acheter pour supporter programme moi de développeur monde qui peut créer Sublime Text ça ou bien juste utiliser Notepad++ qui totalement gratuit ou bien utiliser Atom et bien Visual Studio Code qui c'est et un éditeur texte que Microsoft développé qui totalement gratuit et qui charge extension ou cas programmer et un bon langage programmation là. Donc tout comment on peut utiliser le map programmer HTML, CSS et JavaScript et avec TypeScript qui c'est un nouveau langage programmation et qui intègre JavaScript là-dedans, qui ca compiler en JavaScript tout que Microsoft développé. Donc sinon pas vraiment OK, on dit si ou pas vraiment connait tant parler ou a besoin que tout parce que m'a montré ça dans série que m'gain pour me faire puis devant mais connia on dit dans vidéo ça nous gain à faire c'est juste et mettre prêt parce que dans vidéo la prochaine vidéo on va commencer écrire code HTML. Donc pour connia m'espère que avec introduction est bon. Et si on vit à apprendre HTML, bon c'est parce que peut-être que vous avez une idée de pour qui ça l'a petit lou. Mais dans la prochaine vidéo m'a faut parler de qui ça HTML lié. OK, on peut parler de qui ça HTML lié, mais nous va pas le bail en plus description. Donc n'a bien un lien que m'a visité sur internet que m'a mettre un série de liens que ou même vous capable visiter pour compte pour le ou même pour capable lire plus bagay sou qui ça HTML parce que baba chita pour me ça tout temps seulement là pour me faire on sait de son cours qui a fait de plusieurs tutoriels que m'a montré HTML pendant que m'a travaillé un projet. OK, pendant que n'a travaillé un projet que n'a fin chaque cours on a un petit projet que n'a monté sous pied. OK, que pour monter sous pied avec tout ça que nous t'ai apprendre auparavant. OK, donc m'espère que Etienne introduction ça li intéresse ou li fait envie apprendre et HTML. Donc on dit n'apprendre dans prochaine vidéo, OK.